C'est un rêve et on le sait. Accroché à la paroi par un fil de soie, on grimpe, ça va de soi, sans regarder en bas. Et on fait le tour du cadran, des heures et des jours que la vie nous tend, des heures et des jours que la vie nous tend. Et on tient debout, mais ne nous demandez pas comment, ne nous demandez pas comment. En bas, il y a des villes, des jungles d'opéra, où l'on prendra pour cible nos fils de soie fragiles si on regarde en bas. Et on fait le tour du cadran, des heures et des jours que la vie nous tend, des heures et des jours que la vie nous tend. Et on tient debout, mais ne nous demandez pas comment, ne nous demandez pas. On fait le tour du cadran, des heures et des jours que la vie nous tend, des heures et des jours que la vie nous tend. Et on tient debout, mais ne nous demandez pas comment, ne nous demandez pas comment. On fait le tour du cadran, des heures et des jours que la vie nous tend, des heures et des jours que la vie nous tend. Et on tient debout, ne nous demandez pas comment, 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 ne nous demandez pas comment. Salut, c'était A. Aujourd'hui, dans mes coups de cœur de YouTube, j'avais envie de vous parler d'une chaîne qui n'a absolument pas besoin qu'on lui fasse de la publicité. Pourquoi j'en parle ? Parce que je sais que certains d'entre vous me suivent pour la musique sans être nécessairement au courant de tout ce qui se passe sur YouTube. Mais vous avez peut-être quand même entendu parler de Cyprien, qui était le vidéaste francophone le plus suivi avant que Squeezie le dépasse et qui, depuis des années, fait des sketchs comiques. Et c'est vrai que ces sketchs, je les trouve très drôles, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans son travail, c'est sa capacité à se réinventer et à explorer toujours plus de modes d'expression différents. Aujourd'hui, il y en a deux en particulier que j'avais envie de vous partager. Premièrement, ses courts-métrages, qui sont drôles, poétiques et à la fois légers et profonds. Et deuxièmement, sa série audio, qui est une histoire de science-fiction humoristique qui s'appelle L'épopée temporelle. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.